Syrie, Homs redevient un centre industriel de la région jadis producteur connu d'huile de tournesol, de confiserie et de tissu. Le gouvernorat syrien de Homs reprend petit à petit ses activités mais n'utilise plus les produits européens. Le gouvernorat syrien de Homs se transforme en centre de l'industrie syrienne, relate la chaîne de télévision russe Zvezda. Ces fabriques reprennent le travail les unes après les autres, ce qui permet de ravitailler la République en produits alimentaires et d'assurer un emploi aux déplacés. La minoterie n'a pas arrêté son travail même lors des combats acharnés. Des centaines de personnes risquaient leur vie sous les tirs pour donner du pain à la République. À présent, plusieurs types de farines y sont fabriquées, notamment pour la préparation des confiseries syriennes. L'huile de tournesol et les tissus étaient également la carte de visite du pays, et leur production reprend à un rythme soutenu. L'industrie du tissage utilise à présent des peintures syriennes, alors qu'avant la guerre, différentes peintures européennes étaient achetées à ces fins. Après le refus de l'UE d'en vendre à la Syrie, elle recourt aussi à des produits chimiques russes et asiatiques. Plus de 20 000 personnes sont actuellement employées dans la zone industrielle de Homs, et le nombre d'emplois s'accroît constamment.